Salut, donc ouais, j'ai dit que j'allais tenter, hein. Non, en fait, au fond, je suis con puisque généralement, ouais, deux pistes psy. J'utilise maintenant puisque à la fin du jeu, en fait, ils ne serviront pas vu que j'ai pas besoin de. Bon, après ça, j'ai pas besoin d'MP. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour récupérer les MP à la fin. Vu qu'il y a des djinns pour ça. Alors. Lui va faire que attaquer. Elle surtout ne pas utiliser cette djinn. Car celle-ci qui soigne. Hein. Et elle, elle va brûler. Donc on va commencer avec les djinns en fait. Et lui, il va utiliser ombre. Donc ombre qui réduit les dégâts qu'on se prend. Hein. Donc là, un tour sur deux, en fait, on va utiliser l'ombre. Donc un tour sur deux, on se prend vraiment de dégâts. Il récupère 30, ouais, 30 HP par truc, le serpent. Par tour. D'abord la purifier. Donc le combat va être con par contre. Je passe les invocations sinon c'est trop chiant. L'affinité des cigares est quasiment, je crois qu'elle est au max même. Hein. Pas quasiment. Et en plus avec les djinns là elle se renforce. Donc je vous dis qu'elle va faire très mal là. En fait c'est carrément cheaté au moins. C'est un truc de taré. Quasiment invincible avec ça. En plus là il n'y a que l'ombre. Parce qu'en tout il y a trop de djinns hein, qui peuvent baisser les dégâts. Ombre je crois que c'est le meilleur d'ailleurs. Thank you.
Vous voyez, dès qu'elle a plus 4 jeans, elle a plus aura. C'est ça que j'avais dit de pas faire ça. Ah merde, elle a crevé. En fait, j'ai fait le con parce que je me suis dit on est à la fin du combat, je m'en fous. Mais apparemment, on n'est pas encore à la fin du combat. Je vous dis, c'est très long. Ah, je crois que je vais le couper le combat. Donc, écoutez, je vais le laisser au cas où il y en a qui voudraient le voir en entier. Et puis vous me dites si la prochaine fois qu'il y a un long combat, si vous voulez que je le coupe ou pas. Et puis ceux que là ça dérange, bah, vous avancez un peu la vidéo et puis voilà. Ouais. Ce qu'il fait, c'est qu'il récupère la moitié des dégâts que je lui fais, il la récupère quoi. Cette fois, il est dans la merde. Là, il est mal, là, je le dis. Voilà, alors. Ouais. Tort.
Et voilà, mon chat. Donc voilà, un long combat. Comme au l'écumon là, comme à Rocher, je veux dire. Voilà. Et ne pas oublier un truc impératif, c'est qu'on va voilà, donc on a pris sable, vous allez voir à quoi ça sert. Voilà. Faire vaporeux. Bon malheureusement c'est pas pour nous. Hein. Enfin, vous verrez ça plus tard, enfin, pas longtemps d'ailleurs, parce que en fait, merde. En fait, si on n'avait pas fait ça, en revenant, l'autre nous aurait dit oh j'ai oublié mon épée machin, on aurait dû aller lui revenir ici pour le rapporter. Et là, vu que je la prends directement, ben on n'a pas besoin de revenir comme ça. J'avais oublié la musique du truc. Une première chose, on va aller un petit coup à l'auberge. Voilà, plus besoin de sacrifier vu que le serpent est mort. Clac. Et là, comme vous voyez, ça fait un rond les personnes. Ben non, il y a rien. J'y ai cru. Parce que vous voyez, elles sont exactement en forme de quand il y a un truc pour vision. Là. Enfin bon. Putain, ils vont recommencer. Je vois qu'il y a quelqu'un, il faut qu'il se présente. Bon, ça y a moins de politesse. Mais... Voilà l'autre qui revient.
Après sa défaite, t'as pas honte. Et comment il connaît notre nom? Ah bah oui, bah il écoutait notre conversation sûrement. Il vient de piger le gars. Voilà, il parle de Rocher, Rochaud, mon magma et mon gaillard. Ça y a le son qui déconne là, putain. Je sais pas ce que ça va si on fait non, mais je pense qu'on est obligé de dire oui au final. Ah, et là, si on lui donne l'idole dansante, et voilà, elle nous donne un jus de Mars. Ce qui est un peu débile, ça devrait être un djinn de Vénus normalement, vu qu'ici ils ont des pouvoirs de la Terre, enfin bon. Nous voilà avec un nouveau djinn dans la poche. Voilà. Et là, on se quitte ici. Allez, salut.